Non, ce qui me touche à Paris, d'abord, c'est la joie des gens, la fraternité, les regards, le fait que les gens s'aiment, quoi. On est là, entre nous, on est très différents, on arrive de partout, on ne se connaît pas, et puis on se met à une table ensemble, dans un petit groupe ensemble, on parle, et il y a un véritable amour. Il y a une bienveillance, j'aime beaucoup le mot bienveillance, et à Paris, c'est vraiment un mot où la bienveillance s'exprime, et attire, et réconforte, et fait du bien, quoi. Moi, j'étais catholique de jeunesse, d'enfance, mais j'ai tout lâché à 16 ans complètement jusqu'à 26 ans. Et c'est vrai que c'est par l'Emmanuel que j'ai retrouvé la foi, un groupe de prière à Paris. Mais aussi, en venant ici, j'ai vu une église, non pas que jugée de ringarde, moi qui était hors de ma vie, quoi, qui était devenue étrangère à ma vie. Et ici, j'ai retrouvé une église joyeuse et vivante. C'est vrai que ça m'a fait beaucoup de bien et ça m'a attiré. Et maintenant, j'essaie de faire que cette église vivante et joyeuse, on la rencontre aussi dans les paroisses, notamment la paroisse à Saint-Laurent où je suis curé.